Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine 13 minutes. Aujourd'hui, direction Chervillers, où le SMICTOM d'Alsace Centrale, qui a pour mission première, on le sait bien, de collecter les déchets, a aussi une vocation de sensibilisation de la population et en particulier des enfants qui sont les adultes de demain. Tous les ans, le SMICTOM mène des actions pédagogiques auprès des établissements scolaires d'Alsace centrale. Cette année, les élèves ont participé au nettoyage de printemps et ont réfléchi sur la problématique des déchets jetés dans la nature. Cette année, on a travaillé avec certains collèges sur la thématique de l'Ochteputz, où on les a invités à vraiment se mobiliser en tant qu'éco-citoyens pour faire un nettoyage et à réfléchir à ce que ça voulait dire de jeter dans la nature ou d'être quel pouvait être l'impact sur notre environnement, de nos modes de consommation, et de pouvoir aussi l'exprimer eux-mêmes. Alors, à travers simplement leur action citoyenne d'aller nettoyer avec leurs professeurs et d'y réfléchir. Et puis pour certains, de s'engager un petit peu plus à travers un concours vidéo où ils ont pu produire leur propre message et le diffuser sur les réseaux sociaux auprès de leur communauté avec leurs mots, pour nous interpeller aussi en tant qu'adultes à dire, ben voilà, c'est quoi protéger l'environnement. Pour clôturer le programme pédagogique de cette année, 360 élèves de primaire et de collège ont été conviés à participer à un spectacle intitulé « Bienvenue dans ma poubelle ». Cette animation a été proposée par la compagnie du Chapiteau Vert à la salle des fêtes de Chervillers, mardi 16 juin. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler d'un lieu qu'on appelle le 7e continent ? Eh bien, c'est un espace qu'on estime, la taille, je ne saurais pas vous dire, mais on l'appelle le continent parce que c'est très 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 grand, qui est le rassemblement dans la mer, dans les océans, de tous les déchets plastiques. Alors c'est un spectacle vraiment très interactif, très positif, où on va mettre en valeur tous les petits gestes quotidiens que les enfants, les adultes peuvent faire, qui vont vraiment faire changer les choses. Et on va les mettre en scène, on va danser, chanter, il y a des quiz, ça c'est vraiment l'univers quotidien et notre univers actuel où on va pouvoir mettre en pratique et en valeur les gestes du quotidien pour protéger la planète. Tony, valide la réponse numéro 1, il colle un stop pub sur sa boîte aux lettres. Eh bien, c'est une excellente réponse. Les équipes d'animation du SMICTOM comptent à présent travailler avec les enfants en structure périscolaire. La thématique tournera autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou comment manger mieux pour jeter moins.